Yeah. De l'autre bord, Arnaud. Hey, qu'est-ce qu'on fait ici? En train de crever à la chaleur, à se faire manger par tout ce qui se fait de bobette sur la planète. Jean-Phi nous a dit que le soccer, c'était bon pour que les enfants gardent leur agilité puis leur esprit d'équipe durant l'été. Ben oui, faudrait surtout pas aller à l'encontre des conseils du coach hockey, hein, Cindy? Hey, d'ailleurs, comment ils vont, le beau Jean-Phi puis la belle Françoise? Bien, je pense. On a tellement pas rapport ici, là. Regardez les autres mères avec leurs petites chaises pliantes bas de gamme. Ça a pas les foufounes assez solides pour toffer sur des bancs d'estrade. Des vraies petites natures, les soccer moms. Oh, regarde-les encore. Mais Arnaud, lâche les pissenlits, coco! C'est pas toutes les mères qui sont faites pour les vrais sports, comme le hockey. Ah. Hey, vous comprenez les règles, vous autres? Mais là, ils font juste courir d'un bord puis de l'autre, là. As-tu vu la grosseur de leur but? Mais vous savez ce qu'on dit, hein? Plus gros est ton net, plus petite est ta... Coudon, ma Cindy, c'est-tu la garde partagée ou non le soleil qui te rend taquine de même? Le soleil. Les néons d'aréna, bien moins de troubles. Le ballon, mon grand, suit le ballon! D'ailleurs, c'est un peu étonnant, hein, que les soccer moms soient capables de comprendre les règlements. Ils sont tellement... tellement... bonnes. Ouais, puis au hockey, là, pas besoin de gérer des taches sur les vêtements. Hé, hey, la semaine dernière, ma femme de lavage a passé plus de 45 minutes à frotter. Puis le choix des textiles, du nylon. Ils ont pas pensé, là, un beau lin qui respire... Le soccer, ça m'écoeure! Le soccer, ça m'écoeure! Et les filles, là? Non, j'irais peut-être pas jusque-là, même si c'est vrai que j'ai aucun intérêt pour le soccer. Chut, la coach. Chantal, tu disais aucun intérêt pour le soccer? Hey, ma blonde serait pas là de pantoute dans un kit de soccer avec des petits beaux aux genoux. Oh, motadine! Arnaud vient de scorer dans son but!